Bon matin! Aujourd'hui, je vous apporte avec moi dans une journée productive. Il est présentement 7h. Il est 7h18. Je me suis réveillée vraiment tôt. J'aime vraiment ça faire ces temps-ci. Je me couche vraiment tard à cause du travail. J'ai pas le choix, je finis de travailler à minuit. Fait que je me couche à minuit puis je me lève à 7h. Fait que c'est pas évident, mais moi j'aime vraiment ça me lever tôt parce que je trouve que ça commence mieux la journée. Ça va être une belle journée, je le sens. Je vous apporte avec moi cette journée-là parce qu'on va être productifs ensemble. C'est parti dans cette journée. Je vais me faire à déjeuner. Ces jours-ci, j'aime vraiment ça déjeuner des smoothies bowls. Genre faire un smoothie avec une texture plus épaisse. Fait que je vais vous montrer la recette que je fais vraiment souvent. Il faut une banane, le jus, mélange paradis, des fraises congelées. Je commence par mettre dans le pot la banane. Ensuite, je viens mettre vraiment beaucoup de fraises, comme environ jusqu'ici. Puis j'ajoute le mélange. Voilà le résultat final! Oh, j'aime tellement déjeuner ça! J'ai mis comme des petites céréales avec la noix de coco puis des graines de chia puis j'ai mis des bleuets autour. Et j'aime trop ça! Oh my god! J'ai fini de déjeuner, maintenant il faut que je fasse des tâches d'adulte maintenant que je suis en appartement. Je vais aussi partir le lave-vaisselle parce que lui aussi, il est pas mal plein et ça sent pas très bon. Je vais aller au gym, mais avant toute chose, il faut que je me brosse les dents puis je peux partir. Plus heureux que me sentir en santé à l'intérieur de mon corps comme à l'extérieur. Le gym là, ça me fait tellement sentir bien. Ça faisait un moment déjà que j'étais pas allée là, ça faisait comme une semaine et demie. Puis pour vrai là, ça me manquait vraiment là. C'est juste que comme je manque de temps, j'essaie vraiment, j'adore aller au gym tôt le matin. Sauf que comme je vous ai dit ce matin, étant donné que je travaille jusqu'à minuit le soir, ben c'est vraiment difficile pour moi de me lever tôt. Puis moi j'aime vraiment ça de me lever à 7h. Ben en fait j'aimerais ça de pouvoir me lever à 6h.
Mais 6 heures, c'est parce que je manquerais d'heures de sommeil là, si je me couche à minuit. Fait que je me couche à minuit direct en arrivant chez moi. Là, je finis à minuit, puis j'habite proche de l'hôpital de où je travaille. Fait que j'arrive chez moi, puis je me prépare, puis je vais me coucher tout de suite. Mais le matin, je mets un cadran pour me réveiller à 7 heures. Puis vous voyez, ce matin, c'était quand même bien passé. Puis là, j'étais allée au gym à 8 heures, puis là, présentement, il est 9h30. J'ai fini mon entraînement, fait que je suis vraiment fière de moi. C'était un bel entraînement. C'était rough, par contre. Je vous conseille vraiment d'aller faire votre entraînement tôt le matin parce que je trouve que ça commence bien la journée, tu te sens toute saine d'esprit et saine dans ton corps. Puis ça fait du bien de se sentir en santé. Qu'est-ce que t'en penses? Là, présentement, je suis en route vers l'appartement de la sœur à David parce qu'elle est en voyage présentement et je dois nourrir ses petits minous. Je m'occupe de ses petits chats puis ensuite je vais aller chez moi me doucher. Cette semaine, je me suis donné l'objectif de pas aller sur Instagram ou TikTok de toute la semaine. Je veux vraiment décrocher, je veux vraiment prendre cette semaine-là pour me recentrer, me ressourcer et être bien avec moi-même. Ça fait un moment déjà que j'ai commencé à pas aller sur Instagram en me levant directement le matin. J'ai oublié de vous le dire ce matin, mais ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone dans une autre pièce le soir avant de me coucher. Et le matin, j'y touche pas avant de déjeuner, donc je fais vraiment toutes mes choses, je me lève. Ça me permet de me lever de mon lit vraiment plus rapidement aussi parce qu'avant, j'allais rester dans mon lit. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font ça, justement, je suis pas la seule, là, mais comme on va rester dans notre lit, puis on va gosser sur Instagram, puis tout ça. Puis je trouve pas que c'est une belle façon de commencer ma journée. Moi, je vais pas commencer ma journée en me préparant sur les réseaux sociaux. Je vais commencer ma journée du bon pied, en prenant du temps pour moi-même. Je me fais un bon déjeuner, puis là, j'apprécie mon déjeuner. Puis des fois, j'essaie aussi d'écrire dans mon journal... de 5-minute journal. Fait que c'était vraiment du bien de se concentrer là-dessus au lieu de se concentrer sur les réseaux sociaux. Fait que that was my tip of the day. Il fait tellement beau aujourd'hui, gars, vous comprenez pas, je suis tellement heureuse. La température, là, ça a tellement un impact sur moi, là, sur mon humeur. Comme quand il fait pas beau, là, je me sens tellement pas motivée, je me sens genre... Mais là aujourd'hui, it's a great day! I'm so happy, so grateful. Fait cool parce que fait cool. Je sais pas si vous avez vu ce matin là, mais lui là, il me suit partout. Il monte sur moi parce qu'il veut absolument se faire prendre le matin. Si je donne pas attention qu'il désire, je vais me le faire dire. En fait, c'est mon petit bébé. Jump dans la douche et je vous reviens. Donc là, je me suis changée. J'ai même plié le linge. J'ai fait la litière de mes chats que j'ai pas filmé parce que je pense pas que c'est vraiment intéressant. Là, je voulais me faire un petit snack parce que j'ai quand même un peu faim, mais il est un peu trop tôt. Il est 11h, j'ai pas trop mangé parce que je vais dîner bientôt. Mais je pense que je vais me couper du watermelon. J'aime vraiment ça, le melon d'eau. C'est vraiment un de mes fruits préférés. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Moi, je coupe mon melon d'eau en petites bandes, vous allez comprendre, là. Genre comme ça. C'est parce que je trouve que ça se mange mieux comme ça. Je pense que j'avais vu une vidéo à un moment donné de quelqu'un qui le mangeait comme ça, puis je trouvais ça vraiment cool, fait que bon, mon melon d'eau comme ça. Je vais faire du montage pour ma vidéo où moi et Jade, on teste des snacks de Montréal, populaires sur TikTok. Ouais. Enjoy the time lapse. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. J'ai passé un bon petit moment à faire du montage sur mon ordinateur. J'ai d'ailleurs fini mon vidéo. Je suis vraiment contente. Ça va être en ligne ce vendredi. Stay tuned for that. Ben toi, c'est sûr que quand tu vas regarder cette vidéo-là, ça va déjà être en ligne. Fait que tu peux déjà aller voir la vidéo. Elle va déjà être en ligne. Je suis bien contente de ma journée. Je trouve que j'ai été très productive.
J'espère que vous avez aimé ça, regarder mon petit vidéo. J'espère que vous aimez ça, m'accompagner dans des journées comme ça, dans ma vie un peu de tous les jours. T'sais, j'espère que ça vous intéresse. Je vais aller travailler bientôt, fait qu'il va falloir que j'arrête le vlog ici. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des petits vlogs. Moi, j'aime vraiment ces jours-ci faire ça. Je trouve que, je sais pas, ça me rapproche de vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous aime très fort. Bye!